إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن من عظيم نعمة الله على عباده المؤمنين أن هيأ لهم أبواب من الخير والإحسان عديدة يقوم بها العبد الموفق في هذه الحياة الدنيا ويجري ثوابها عليه بعد الممات ينتقل من دار العمل ولا ينقطع عنه الثواب تزداد درجاته وتتنامى حسناته وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمورا سبعة يجري ثوابها على الإنسان في قبره بعدما يموت وذلك فيما رواه البزار في مسنده بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته فتأملوا أيها المسلمون تأملوا هذه الأعمال واحرصوا على أن يكون لكم منها حظ ونصيب وبادروا إليها أشد المبادرة قبل أن تقضي الأعمار وتتسرم الآجال وإليكم البيان والإيضاح لهذه الأمور Sachez, chers musulmans et musulmanes, que parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les croyants, c'est qu'il a mis à leur disposition ou qu'il a ouvert pour eux des portes vers le bien et la bienfaisance qui sont multiples. Des biens, des actes pieux et bienfaisants qui, lorsque le musulman les accomplit dans cette vie d'ici-bas, la récompense qu'il obtiendra de ces actes se perpétuera bien après sa mort. Ainsi, cette personne aura quitté la demeure dans laquelle il œuvre, qui est cette vie d'ici-bas, sans pour autant que la récompense de ses œuvres ne soit arrêtée, ne soit bloquée. Bien au contraire, il est dans sa tombe, et ses degrés augmentent, ses bonnes actions également se multiplient. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a cité cette chose, dont le musulman bénéficie de la récompense bien après sa mort. Et un hadith jugé bon, rapporté par Al-Bazzar, rahimahullah, dans son musnad, selon Anas, radiyallahu anhu, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, cette chose, le serviteur profite de ses récompenses bien après sa mort, lorsqu'il est dans sa tombe. Celui qui enseigne une science, ou qui fait couler une rivière, ou qui creuse un puits, ou qui plante un palmier, ou qui construit une mosquée, ou qui laisse en héritage un mushaf,
ou qui laisse un enfant qui lui demandera le pardon, qui demandera le pardon à Allah Azza wa Jal pour lui après sa mort. Méditez donc sur ces actes et faites partie de ceux qui les mettent en pratique et qui en profitent et qui prendront leur part de cela. Empressez-vous vers ces actes avant que le terme n'arrive à échéance et avant que vous ne quittiez cette vie d'ici-bas. Et nous allons expliquer, inshallah ta'ala, avec, où nous allons éclaircir certains points que nous a cités le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أما أولا تعليم العلم من علم علما والمراد بالعلم هنا العلم النافع العلم الشرعي علم الكتاب والسنة الذي يبصر الناس بدينهم ويعرفهم بربهم ومعبودهم ويهديهم إلى صراطه المستقيم العلم الذي يعرف به الهدى من الضلال والحق من الباطل والحلال من الحرام وهنا يتبين عظيم فضل العلماء الناصحين والدعاة المخلصين الذين هم في الحقيقة سراج العباد ومنار البلاد حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة. Celui qui enseigne une science, et la science qui est voulue ici, c'est bien sûr la science religieuse, la science du Coran et de la Sunna, la science bénéfique qui permet aux gens d'être clairvoyants vis-à-vis de leur religion, qui permet aux gens de connaître leur Seigneur et leur adorateur, et de connaître celui qu'ils adorent, subhanahu wa ta'ala, une science qui va les guider sur le droit chemin, une science qui leur permet de distinguer entre la guidée et l'égarement, entre le vrai et le faux, entre le haram et le halal. Et de ceci découle l'immense importance et le grand mérite des savants et des prêcheurs à l'islam qui sont sincères dans leur appel à Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont une lanterne pour les serviteurs et qui sont des repères pour le pays dans lequel ils vivent. La vie des savants est un butin et leur mort est sans aucun doute une immense catastrophe. Thaniyan, ijra'un nahr أو أجرى نهرا كما قال صلى الله عليه وسلم والمراد شق جداول الماء من العيون والأنهار لكي تصل المياه إلى أماكن الناس ومزارعهم فيرتوي الناس وتسقي الزروع وتشرب الماشية وكم في مثل هذا العمل الجليل من الإحسان إلى الناس والتنفيس عنهم بتيسير حصول الماء الذي به تكون الحياة بل هو أهم مقوماتها وجعلنا من الماء كل شيء حي ويلتحق بهذا مد الماء عبر الأنانيب إلى أماكن الناس ومواطن حاجاتهم ويلتحق بهذا أيضا وضع برادات الماء في أماكن الناس ومواطن احتياجهم وثالثا حفر الآبار وهو نظير ما سبق وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه أي حذاءه فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر متفق عليه فكيف عباد الله بمن حفر بئرا وتسبب في وجودها حتى ارتوى منها خلق وانتفع بها كثيرون. Deuxièmement, ou celui qui fait couler une rivière, c'est-à-dire celui qui ouvre le chemin d'eau pour que l'eau de la rivière
et des ruisseaux arrivent et atteignent l'endroit dans lequel vivent les gens et dans lequel ils cultivent. Ainsi les gens se désaltèrent, leurs cultures sont arrosées, leur bétail est abreuvé, et il y a dans cet acte-là une immense bienfaisance envers les gens, dans le fait de les soulager et d'amener jusqu'à eux cette eau dont qui est nécessaire et vitale à la vie, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Et à le même jugement, celui qui fait parvenir l'eau aux gens à travers des tubes et des tuyaux, ou celui qui met en place ou pose un distributeur d'eau dans un endroit où les gens en ont besoin. Troisièmement, de creuser un puits. Et cela est similaire au fait de faire parvenir de l'eau aux gens. Et il a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'un homme était sur le chemin, il a ressenti une énorme soif. Il a alors trouvé un puits, il est descendu dans celui-ci et a bu. Lorsqu'il en est ressorti, il a alors vu un chien qui sortait sa langue de soif et qui mangeait la poussière de la terre. Cet homme a alors dit, ce chien subit ce que j'ai subi auparavant, à savoir une grande soif. Il est alors descendu dans ce puits, a rempli sa chaussure d'eau et a donné ou a abreuvé ce chien. Allah Azza wa Jalla l'a remercié en lui pardonnant ses péchés. Ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, avons-nous des récompenses même vis-à-vis des animaux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans chaque être qui a un estomac humide, il y a de la récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cette expression, ذَاتُ كَبِدٍ رَطْبًا, tout être doté d'un estomac humide, c'est-à-dire tout être vivant, car lorsque un être meurt, eh bien, son corps s'assèche, de même que son estomac s'assèche. Regardez, chers musulmans et musulmanes, regardez la récompense de cet homme qui a abreuvé un chien, et grâce à cela, Allah Azza wa Jalla lui a pardonné ses péchés. Que dire d'une personne alors qui creuserait un puits, et de la présence de ce puits en découlerait que les gens, les cultures et les animaux en profitent. Rabi'an, gharsu an-nakhl aw gharasa nakhla, comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, wa min al-ma'loum an an-nakhla sayyidu al-ashjar wa afdaluha wa anfa'uha wa aktharuha 'a'idatan وأكثرها عائدة على الناس فمن غرس نخلا وسبل ثمره إلى المسلمين فإن أجره يستمر كلما طعم من ثمره طاعم وكلما انتفع بنخله منتفع من إنسان أو حيوان وهكذا الشأن أيها المسلمون في غرس كل ما ينفع الناس من الأشجار وإنما خص هذا النخل وإنما خص هذا النخل بالذكر لفضله وتمييزه. وخامسا بناء المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله والتي أذن الله جل وعلا أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وإذا بني المسجد أقيمت فيه الصلاة وتلي فيه القرآن وذكر فيه الله ونشر فيه العلم واجتمع فيه المسلمون واجتمع فيه المسلمون إلى غير ذلك من المصالح العظيمة ولبانيه أجر في ذلك كله. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. Quatrièmement, de planter un palmier. Et il est connu que le palmier est le maître des arbres.
le meilleur des arbres et celui dont les gens profitent le plus. Celui donc qui plante un palmier et consacre l'usage de celui-ci aux gens et aux musulmans, eh bien, la personne bénéficiera des récompenses et de bonnes actions chaque fois qu'une personne mangera de cet arbre et chaque fois qu'un animal également profitera de cet arbre. Et ceci est général à l'ensemble des arbres qui profitent aux gens. Mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié le palmier, car c'est sans aucun doute le meilleur et le maître des arbres. Cinquièmement, ou de construire une mosquée. Les mosquées qui sont les meilleurs endroits et les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des endroits qu'Allah azawajal a autorisé d'ériger afin que son nom soit proclamé. Et lorsqu'une mosquée est construite, ce sont des prières qui sont accomplies, qui y sont accomplies. C'est le Coran, le livre d'Allah azawajal qui y est lu. C'est la science bénéfique qui y est enseignée et propagée. Et c'est un endroit dans lequel les musulmans se rassemblent et bien d'autres bénéfices qui sont présents dans la mosquée, dans les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul doute que celui qui construit une mosquée ou qui participe à la construction d'une mosquée a sa part de récompense dans tout cela. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, celui qui construit une mosquée en ne voulant par cela que la face d'Allah, Allah lui bâtira une maison au paradis, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sadisan, tawrithul mushaf, wa dhalika yakunu bitriba'atil masahif, wa shira'iha, wa waqfiha fil masajidi wa duri al-ilm, hatta yastafidu minha al-muslimun, hatta yastafida minha al-muslimun, liwaqifiha ajrun azim. كلما تلا في ذلك المصحف تال وكلما تدبر فيه متدبر وكلما عمل فيه عامل وسابعا تربية الأبناء وحسن تأذيبهم والحرص على تنشئتهم على التقوى والصلاح حتى يكونوا أبناء بررة وأولادا صالحين فيدعون لأبويهم بالخير ويسألون الله لهم الرحمة والمغفرة فإن هذا مما ينتفع به الميت في قبره. Sixièmement, de laisser en héritage un mushaf. Ceci en imprimant un mushaf ou en achetant un mushaf et en le mettant à la disposition des musulmans dans les mosquées ou dans les centres culturels, dans les centres éducatifs dans lesquels la science religieuse est enseignée, afin qu'en profitent les musulmans. Et celui qui met à disposition un Coran, un mushaf, dans ces endroits, aura une immense récompense. Il aura une récompense à chaque fois qu'une personne lira de ce mushaf, à chaque fois qu'une personne méditera dans le livre qu'il aura pris, et à chaque fois qu'une personne agira après avoir lu de ce livre. Septièmement, ou bien qu'il laisse un enfant qui demandera à Allah le pardon pour lui après sa mort. Et il y a dans cela l'importance de l'éducation des enfants, de s'efforcer et de déployer tous les moyens nécessaires afin que nos enfants soient éduqués dans la piété et dans la bienfaisance, pour qu'ils soient des enfants obéissants, des enfants vertueux qui invoqueront en faveur de leur père et mère, et qui demanderont à Allah Azzawajal d'accorder la miséricorde et le pardon à leurs parents. Il y a dans cela un immense bénéfice pour le mort dans sa tombe. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursaleen. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، وقد ورد في المعنى المتقدم أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. وهو حديث حسن. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد فسر جماعة من أهل العلم الصدقة الجارية بأنها الأوقاف، وهي أن يحبس الأصل وتسبل منفعته، وجل الخصال المتقدمة داخلة في الصدقة الجارية. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: أو بيتا لابن السبيل بناه، فيه فضل بناء الدور ووقفها لينتفع بها المسلمون، سواء ابن السبيل أو طلاب العلم أو الأيتام أو الأرامل أو الفقراء والمساكين. وكم في هذا من الخير والإحسان، ومما يجري على المسلم ثوابها وهو في قبره بعد موته، غير ما تقدم: الرباط في الثغور في سبيل الله لصد الأعداء وحراسة المسلمين، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، أي أنه في قبره ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن بإذن الله من فتنة القبر. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le même sens ont été rapportés. Parmi ces hadiths, le hadith du Gibbon, rapporté par l'imam Ibn Majah rahimahullah, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui rejoint le croyant parmi ses œuvres et ses bonnes actions après sa mort, une science qu'il a enseignée et propagée, un enfant pieux vertueux qu'il a laissé, un mushaf qu'il a laissé en héritage, une mosquée qu'il a construite, une maison qu'il a construite pour les voyageurs, une rivière qu'il a fait couler, ou une aumône qu'il a donnée de son argent lorsqu'il était vivant et en bonne santé, ceci lui parviendra après sa mort. Et dans le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu, rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le fils d'Adam meurt, ses actes sont suspendus, sauf trois, sauf une aumône continuelle, ou une science dont l'on profite, ou un enfant vertueux qui invoque en sa faveur. Il y a dans ces deux hadiths cités trois actes supplémentaires, en plus des sept déjà cités précédemment dans le hadith de Anas, radiyallahu ta'ala an. Ces trois choses: premièrement, l'aumône continuelle. L'aumône continuelle, celle-ci également profite aux musulmans même après sa mort. Ce qu'il donne en aumône et dont les gens profitent. Et les savants ont entré dans cette aumône continuelle tous les actes que l'on a précédemment cités. Et dans le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite: celui qui construit une maison pour les voyageurs. Il y a dans cela le mérite de construire des maisons, des immeubles, des demeures qu'il réserve
aux musulmans, aux voyageurs, aux étudiants de sciences, aux orphelins, aux femmes veuves, aux pauvres et aux nécessiteux. Et il y a dans cela une immense bienfaisance. Et la personne, bien sûr, en profitera bien après sa mort. Et également, un autre acte qui, lorsque le musulman le fait, profite et perçoit les récompenses de celui-ci même après sa mort, autre que ce qui a été cité précédemment, c'est le fait d'être posté. D'être posté dans des endroits dans lesquels les musulmans ont peur de leurs ennemis. D'être posté, d'être prêt à défendre, d'être posté pour protéger et guetter les musulmans d'un ennemi qui leur voudrait du mal. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Salman al-Farisi radiallahu anhu, rapporté par Muslim dans son sahih, nous montre l'immense récompense qu'a celui qui est posté pour guetter les musulmans d'un ennemi ou pour combattre et défendre les musulmans d'un ennemi. Il dit sallallahu alayhi wa sallam d'être posté un jour et une nuit est meilleur que de jeûner un mois et de prier la nuit de celui-ci. Et prier la nuit pendant celui-ci. Et celui qui meurt dans cet état, celui qui meurt en protégeant les musulmans, en guettant les musulmans, et celui qui meurt en combattant les ennemis de l'islam contre ceux qui veulent du mal aux musulmans, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il aura la récompense des actes qu'il avait l'habitude de faire. Tout ce qu'il avait l'habitude de faire durant son vivant lui sera comptabilisé après sa mort comme s'il était vivant. Et ceci jusqu'au jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa ujri alayhi rizqo » et sa pourvoyance lui sera accordée même mort. Pour cela qu'Allah azza wa jalla a dit « Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata » Et ne pensez pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah sont morts. « Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqoun » Mais ils sont vivants et perçoivent leur pourvoyance auprès de leur Seigneur. Puis le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Wa amin al-fattan » Et il est préservé du châtiment de la tombe. Il est préservé du châtiment de la tombe. Et les savants disent que cette récompense qui est donnée à celui qui guette les musulmans, ou à celui qui les défend et qui combat les ennemis de l'islam pour protéger les musulmans, qu'il a une récompense sans précédent. Une récompense inégalée. Allah Azza wa Jal lui accorde la récompense des actes qu'il a eu l'habitude de faire durant son vivant. Allah Azza wa Jal lui accorde sa pourvoyance. Et Allah Azza wa Jal lui le préserve du châtiment de la tombe. أيها المسلمون وعلى هذا فهناك أعمال عشرة إذا قام بها الإنسان في حياته واعتنى بها أثناء حياته يجري له ثوابها وهو في قبره بعدما يموت وهي تعليم العلم النافع وإجراء الأنهار وحفر الآبار وغرس النخيل والأشجار وبناء المساجد وترويث المصاحف وتربية الأبناء حتى يكونوا صالحين داعين لوالديهم برحمة والخير وبناء الدور ووقفها على المحتاجين والصدقات الجارية والرباط في الثغور ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهذه الأعمال كلها Sachez, chers serviteurs d'Allah عز وجل que pour résumer il y a 10 actes qui lorsque le musulman les accomplit dans sa vie d'ici-bas et les fait en toute sincérité, Allah Azza wa Jal lui accordera sa récompense dans sa tombe après sa mort. Ces 10 choses sont d'enseigner la science religieuse bénéfique, de faire couler des rivières, de creuser des puits, de planter des palmiers et des arbres, de construire des mosquées, de laisser en héritage des masahif, des mushaf, d'éduquer les enfants
pour qu'ils soient vertueux et qu'ils invoquent en faveur de leurs parents de construire des maisons et de les réserver et de réserver leur usage aux nécessiteux, de donner des aumônes continuelles et de poster, d'être posté dans un endroit où les musulmans, dans lequel les musulmans craignent leur ennemi, d'y être postés pour guetter les musulmans et pour les protéger. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite tous à mettre en œuvre ces 10 actes. Sallallahu Azza wa Jal, an yuwaffiqana li hadhihi al-a'mal as-salihah. اللهم وفقنا لهذه الأعمال الصالحة اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفر من حفر النار اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار وهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.